Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette nouvelle session extraterrestre du dimanche 15 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 37e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure sur Zoom. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lignée des Antariens. Toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations noir sur blanc en live et en audio que j'ai enregistrées. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mon livre « Premier contact ». Les Antariens occupent un siège au sein de la Fédération Galactique en compagnie des Andromédiens, siège 1, Arcturiens, siège 2, Pléiadiens, siège 3 et 4, les Alphratiens du Centaure, siège 5, les Syriens, siège 6, les Vénusiens, le 7, les Agartiens, le 8, les Urmas, le 9, et également les Lyriens, siège 11, et les Étortans, siège 12, que nous verrons dimanche prochain et le dimanche suivant. Les Antariens occupent le siège numéro 10. Les Antariens font partie de la lignée des humanoïdes célestes avec les Agartiens, les Alphratiens, les Centauriens, les Ariens, Dorion, les Humites de Wolf 424, les Sassanides du Triangle, les Syriens de Sirius et les Pléiadiens de la main des Pléiades, et les Terriens bien entendu. Leur planète évolue autour du gigantesque soleil Antares qui est 900 fois plus gros que notre soleil. Leur système stellaire, Antares, fait partie de la constellation du Scorpion. C'est un système binaire avec Antares A et Antares B. Il y a 5 planètes qui les entourent, dont une seule est habitable, qui s'appelle Antara. C'est une planète qui est très semblable à notre Terre et elle a aussi le même type de climat. Il y a 2 races qui habitent Antara. Les humanoïdes célestes qui nous ressemblent, qui ont une peau blanche, rosée ou basanée, des cheveux noirs ou sombres et des yeux de la même couleur que nous. Et une autre race d'insectoïdes avancés qui s'appelle les Luk, L-U-K, de grandes mantes religieuses bipèdes. Ils coexistent pacifiquement et les Luk ne sont pas interstellaires. Une relation symbiotique est observée entre les deux espèces. Aucun conflit n'a été enregistré dans l'histoire récente. Leur population est de 1,2 milliard de personnes. Les Antariens humanoïdes sont une race d'explorateurs. Ils ont d'énormes chantiers navals et ce sont des maîtres constructeurs d'immenses vaisseaux spatiaux. Ils sont très sociables et se font de nombreux amis parmi de nombreuses autres races comme les Andromédiens, les Vénusiens et les Pléiadiens. Ils sont très sereins, mais aussi très militarisés. Ils s'intéressent beaucoup aux questions spirituelles et ce sont des personnes qui se complaisent dans de grandes familles et qui sont bienveillants les uns avec les autres. Ils vivent dans de petits villages et des villas ou des chalets individuels. Ils aiment l'action et les sports extrêmes. Les parents se partagent la responsabilité, en général, d'un seul enfant. Leur mode de reproduction est identique au nôtre. Ils sont très sympathiques et ce sont aussi des guérisseurs ou des professeurs. Ils ont une tendance très marquée à être des gardiens et protecteurs. Ils feront tout pour empêcher leurs amis et
des personnes innocentes de se faire attaquer. Ils sont très souvent ouverts d'esprit et réceptifs aux nouvelles idées, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres lignées extraterrestres. Les conseils de niveau qui structurent leur société, comme dans beaucoup de sociétés extraterrestres, vont du conseil local au conseil central ou grand conseil d'Antares. Le conseil antarien pour la Terre, situé sur leurs vaisseaux spatiaux, est de même nature que le conseil andromédien en haute orbite terrestre. Leur société est quasi parfaite car elle est structurée sur l'aide à autrui. C'est pourquoi ils choisissent de tendre la main et d'aider les autres. Quand ils sentent qu'ils peuvent aider et faire une différence en aidant d'autres espèces extraterrestres qui ont des problèmes, ils le font. Ils croient au service aux autres. Ils perçoivent aussi l'aide qu'ils apportent, qui peut être quelquefois dangereuse, comme une chance de ressentir des sensations fortes dans leur vie. Mais leur société est aussi parfaite parce qu'ils ont atteint l'harmonie avec la nature et avec leur propre espèce. Ils n'ont aucun conflit interne, ni entre eux, ni avec les Lucs, et cela permet aux personnes de s'exprimer pleinement de manière artistique et spirituelle. Leurs arts sont très élaborés, ils en développent beaucoup et leur manière de s'habiller est aussi très diversifiée. Ils aiment beaucoup des objets faits main par eux-mêmes ou leurs amis. Ils sont très philosophes et aiment la poésie et la musique. Mais comme je l'ai dit, ce sont des gens d'action. Leur structure sociale est un accord basé sur le flux naturel et les intérêts du peuple. Les habitants d'Antara sont tellement accomplis individuellement qu'ils choisissent de se concentrer sur d'autres choses, pas sur la reproduction. Ils ont une société équilibrée, composée de 50% de femmes et 50% d'hommes, mais il n'y a que 10% des hommes et des femmes qui se reproduisent. Ils choisissent de le faire par choix et par amour du prochain. Ce n'est absolument pas une obligation ni un désir de leur part. Et ce sont ces mêmes 10% qui éduquent les enfants et qui s'occupent du système d'éducation qui est aussi basé sur les besoins des enfants, sur l'intérêt qu'ils portent à certaines choses et leurs espoirs individuels. Au niveau de leur vaisseau en haute orbite terrestre, ils ont environ 100 000 membres d'équipage, c'est énorme, même par rapport aux Pléiadiens, par exemple de Tejet qui en avait 25 000, mais les Antariens ont 100 000 membres d'équipage dispersés sur 250 à 300 vaisseaux en stationnement permanent autour de la Terre. Leurs vaisseaux sont de type science-fiction très avancé. Ils orbitent en haute orbite terrestre de manière permanente et font tous les jours des patrouilles périphériques. Vous le voyez sur cette image en fond d'écran, ils aiment aussi décorer leurs vaisseaux avec des gueules de monstres féroces. J'ai terminé ma présentation, qui n'est pas très longue parce que malheureusement, Zen ne m'a pas donné beaucoup d'informations les concernant, mais je trouve que c'est quand même assez significatif que, disons, leur société soit si sereine et harmonieuse et soit basée sur la spiritualité et l'aide aux autres. De ce fait, il y a beaucoup de starseeds antariens qui sont ici en mission sur Terre.